Bonjour à tous, bienvenue pour le Sweet Fitness, c'est Belle et aujourd'hui je suis avec Mylène et Mélia. Elles vont vous aider, elles vont m'aider à vous amener vers ce cours. Donc aujourd'hui on fait cardio-renfo, j'ai dit cardio-renfo, donc ça veut dire basket, bouteille d'eau, serviette. On fait de la place à la maison et on est parti, let's go. Donc comme d'habitude on va commencer ici, pied largeur bassin. Allez, épaules basses, on va commencer par enrouler les épaules tranquillement. Allez, on inspire sur la montée. On expire ici sur la descente, une dernière fois. Et dans l'autre sens, vers l'avant. Allez, on prend hampe sur les épaules, on ouvre bien. Yes. Et juste la tête, on va basculer à droite ici. Et à gauche de l'autre côté. Encore une fois, de chaque côté. Très bien. Ici, on va tourner le bassin. D'abord, on va placer les pieds un peu plus larges que les épaules. Tout ça, vous connaissez si vous avez déjà suivi les différents épisodes du Sweet Fitness. Et on va dans l'autre sens. On cherche toujours à bien préparer le corps, surtout aujourd'hui on va en avoir besoin pour la séance qui arrive. Très bien, rapprochez les genoux ici, main sur les cuisses et on continue sur les genoux. Et dans l'autre sens. Très bien, déroulez le dos ici, revenez avec moi. On va se mettre à trottiner et pendant qu'on trottine, on va préparer les poignets. Dans les deux sens, yes. On décolle les pieds ici, relâchez les bras. Allez, on décolle un peu les pieds. Vous pouvez déjà engager au niveau du ventre ici, le nombril vers la colonne vertébrale. On a un peu de monde dans le studio en plus. Allez, ça fait plaisir. On est en forme, il fait beau. On prépare son corps ici, on va partir sur les jumping jacks ensemble. Hey. Allez, très bien tout le monde. On n'oublie pas sur les jumping jacks, on contracte les fessiers, on engage les abdominaux et on reste bien à la verticale. À mon top, on va juste retrotiner ensemble, maintenant. Donc la séance d'aujourd'hui, on va travailler à chaque fois sur deux exercices qu'on va combiner, d'accord? On va en faire un, puis l'autre, et récupérer, repartir sur l'un, puis l'autre. En attendant, on est toujours dans l'échauffement, on repart sur le jumping jack ensemble maintenant. Très bien. Encore, c'est que le début, hein. Si vous pouvez pas sauter, vous ouvrez ici, vous refermez. À mon top, on retrottine. Allez, maintenant, tranquille. On est là dans les bois ou sur la plage, même il fait beau. Le sable chaud. Allez, on a le sourire, toujours et encore. Le prochain, ça va être juste talons-fesses. 3, 2, 1. Allez, talons-fesses maintenant. On dirige bien les talons vers les fessiers. Super. Pense à bien respirer, restez pas en apnée, hein. Et le prochain va faire un sprint sur place. Ici maintenant on accélère, allez go. Allez. C'est ça, on fléchit un peu les jambes. Encore. On va le chercher. Ça fait trembler tout le studio. Mais c'est pas grave, ici on reprend sur notre course. Encore. Si vous avez besoin déjà de récupérer, vous récupérez, hein. D'accord. Très bien. Encore ici, on va refaire un petit sprint. On va imaginer qu'il y a un gros chien qui nous suit derrière. Et nous, on va accélérer. Allez, go, c'est parti. Go. Allez. C'est ça, très bien. Encore un peu. On l'a ici. Encore. 3, 2, 1. Ici encore. Si vous avez besoin de récupérer, vous récupérez. On va partir sur un dernier sprint. Mais le prochain, on va la faire un peu en mode... Un peu à la mode, vous savez, à l'ancienne, où on va être comme ça. D'accord. Ok, attention. 3, 2, 1, allez c'est parti, on est là. Allez, on ouvre, on ferme. Allez, c'est ça, il y a des experts ici dans le studio. Il y en a, ils font ça tous les jours. Encore. On garde ça. Et 3, 2, 1, trottinez ici tranquillement. Ok, on va pouvoir respirer, on finit juste cette boucle. Et après on va entamer le premier exercice. On finit tranquillement, on arrive. On voit la ligne d'arrivée qui est là. Et nous, on va faire demi-tour parce qu'on n'a pas envie d'arriver, ça fait que commencer. Ok, premier exercice pour aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, on va faire montée de genoux alternée. D'accord? Les filles derrière, ça marche? Juste ça. En alterné, on va pas les faire de face. Attention à mon top départ. 3, 2, 5, 6, 7. Et allez, on va chercher. Allez, cherchez là. Encore. Si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à... Montez en croisant. On croise ici, on croise. Allez. Ou sinon ici tranquille. Encore. Le prochain exercice avec le squat. Côté.
Attention avec moi, on va enchaîner. 3, 2, 1, on part par là et on descend. Descendez, revenez. Yes, c'est ça. Envoyez bien les fessiers vers l'arrière. Je vous ai dit aujourd'hui, on va combiner renfo et cardio. Encore, encore. On a encore une boucle à faire. On envoie bien les fessiers vers l'arrière. Là. Et on reste quand même de face. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Encore. Et. Très bien. On va reprendre sur notre montée de genoux. Allez, maintenant ici. Et. Au rythme que vous voulez. À la maison, vous choisissez. On monte les genoux. Hauteur bassin. On peut être ici. Yes. Encore. Encore un tour. Maintenant, je vous avais prévenu, hein. Aujourd'hui, on va transpirer. Mais nous, on a la chance, il y a la clim ici. Encore. Et on va repartir sur notre côté, côté en squat. Maintenant, c'est parti. Et là. Encore. Inspirez, expirez. On triche pas sur son squat pour autant. Poids du corps dans les talons. Même chose, on s'arrête pas, encore un tour. Allez. On respire. Là. Et on ouvre bien les genoux vers l'extérieur. C'est ça. Au prochain, on va prendre un temps de récupération. Maintenant, on souffle. Très bien. J'espère que ça va. On vient de faire nos deux premiers exercices. Ça veut dire que on a encore pas mal de marge. Le prochain, on va faire chasser, toucher, chasser, toucher. On est parti, on y va par là. Allez. Et on touche. Yes, c'est ça, on descend. Encore. On va aller chercher. On descend pour de vrai, si on peut. On touche le sol. Allez. Très bien, tout le monde suit. Encore, encore. Et on va enchaîner ici avec des fentes. Je vais mettre profil, rester de face. On descend, on revient. On change à chaque fois, on alterne. C'est ça. Allez, on fléchit le genou et on descend bien droit. Encore. On continue. Même chose. Descendez bien le genou, la jambe arrière vers le sol. On commence à connaître ce mouvement. Hein. Et on va reprendre sur notre chassé sur le côté. 3, 2, 1. On repart par là. Et là. Allez. C'est ça. Yes! Et vous m'en vouloir, mais c'est pas grave. J'espère qu'à la maison, vous m'en voulez pas. Encore, 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 encore. On continue, on est presque au bout. 3, 2, 1, on reprend sur les fentes ensemble. Allez, là. Et après ça, on récupère, vous en faites pas. Et là, vous n'avez pas le choix que de respirer, hein. On inspire en bas. On expire en haut. Encore. Même chose, on ne s'arrête pas. Attention. 3, 2, 1. On revient. Très bien. Soufflez un peu. Le prochain exercice qu'on va faire ensemble, on va aller chercher sur le côté là. Si vous ne pouvez pas descendre, faites juste 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? On part. Et par là. Et là. Sur le côté. Là. Si vous pouvez descendre, vous descendez un peu plus bas. Et on va chercher. Encore. Et. Même chose, même chose, même chose. Et le prochain, ça va être les squat jump. Allez, ensemble ici. Soit vous restez là, soit vous passez sur la pointe des pieds, ou soit vous sautez. Allez, choisissez votre option. Soit le squat normal, soit sur la pointe des pieds, ou soit vous sautez. Encore. Je vous propose toutes les options. Vous prenez celle qui vous va le mieux. Encore, encore, encore. Attention, c'est pas fini. Et on repart ici. Et là. Allez. Encore, on reste ensemble. On reste ensemble, on reste ensemble. Et.
On a encore une boucle à faire. Elle commence maintenant. On va aller chercher. Allez dans le studio, on s'arrête pas. C'est très bien les filles. On garde ça. Après ça, on repart sur nos squats. Attention. 3, 2, 1. Chacun son rythme. Soit vous restez là sur le squat normal, soit sur la pointe des pieds, ou soit vous sautez. Allez, c'est ça. Encore. Inspirez, expirez. C'est bien. On a Mélia et Mylène qui lâchent pas. J'espère qu'à la maison, vous lâchez pas non plus. On a encore un tour sur les squats. Allez. Encore. 3, 2, 1. On souffle ici, très bien. Ok, mais c'est pas fini. Le prochain, c'est mon préféré. On va faire les pompes ensemble. Allez, jambes tendues. Ou sur les genoux. On y va, on descend. Chacun son rythme. Allez, on est parti. Inspirez à la descente. Expirez à la montée. Chacun son rythme. On a encore un tour à faire. On relâche bas le ventre sur les pompes. Ça, c'est une séance qui fait vraiment transpirer, qui fait de l'effet, croyez-moi. 3, 2, 1. Ici, on part en gainage. Soit frontal, ici sur les avant-bras, ou soit bras tendus, vous choisissez. Ou même sur les genoux, ça le fait. Allez, on garde le ventre engagé. Encore, encore. Allez. On va repartir sur les pompes, les filles, hein, je suis désolé. Attention à mon top. 3, 2, 1. Allez, les pompes, c'est parti. On descend, chacun son rythme. Chacun son rythme ici. Allez, on maintient. On maintient la cadence. C'est votre propre rythme ici. On tient jusqu'au bout. On est solide, on inspire à la descente, on expire à la montée. C'est presque fini. Promis, je vous mens pas. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. On revient ici. Ok. On se revient debout. Le prochain, il est facile, c'est que le talon-fesse. Comme ça, ça vous permet de souffler un peu. À mon top, allez. 3, 2, 1. À la maison, talon-fesse, c'est parti. Comme on a fait dans l'échauffement. Allez, on va bien chercher le fessier avec les talons. Encore, encore. Le prochain s'appelle le allongé debout. Pour le moment, on reste encore un tour sur les talons-fesses. Donc, allongé debout, on ira complètement s'allonger au sol. Et on se relèvera. On fera pas de pompe. Juste vous allongez au sol, mais restez pas trop longtemps au sol. Et après, on se relève. Allez, 3, 2, 1. On descend ici au sol. On s'allonge. Et on revient. Allez, on s'allonge pour de vrai. Descendez au sol. Allongez-vous. Aidez-vous de vos bras pour vous relever. Encore. Même chose, on s'allonge complètement. Et ici, on se relève et on repart sur notre talon-fesse. C'est parti, talon-fesse, talon-fesse, talon-fesse. Est-ce que ça va? Ouais. Ok. Encore talon-fesse, un tour. Et on repartira sur notre allongé debout. Donc j'ai bien dit allongé. Ok. Attention. Allez. 3, 2, 1. Au sol, on y va. On s'allonge, on se couche, mais on reste pas. Et on se relève. Encore. C'est pas pareil que le mouvement que vous avez fait dans la séance il y a 2 semaines. Hein. Le end walk, on restait debout, les bras tendus. Ici, on va vraiment chercher le sol. Encore. Même chose. Et ici, on revient tranquillement. Waouh. On n'a pas fini. Il nous reste encore 2 exercices qu'on va faire au sol. Donc, le prochain, on est sur le dos. On va juste alterner ici. On va aller chercher avec le bras gauche, le genou droit. Avec le bras droit, le genou gauche. Attention au top départ. 3, 2,
1, allez c'est parti, chacun son rythme. Et on replace à chaque fois les mains sur les tempes ou les oreilles. Expirez à la montée. Encore. Allez, vous êtes presque au bout de la séance. Encore un tour ici, expirez bien. On respire. Allez, on lâche pas dans le studio. On est toujours dans le Sweet Fitness. Le prochain exercice, le hollow hold. Ici, on passe les bras tendus derrière la tête et on décolle le haut du dos. Si vous êtes à l'aise, décollez-moi les jambes. C'est en option. Ok ? Bras alignés avec les oreilles. Soit vous gardez les jambes au sol, ici. Soit vous les décollez, mais assurez-vous de décoller le dos d'abord. Encore. Allez, on tient. Nombril dans le sol. C'est presque fini. Encore un tout petit peu. Et on reprend sur les crunchs. 2, 1. Allez, maintenant. Crunch. Et expirez pour monter. On va chercher l'extérieur du genou. Encore. Encore un tour, une boucle ici. Allez, c'est l'avant-dernier effort. On tient les filles. On est toujours dans le Sweet Fitness. Et on va faire notre dernier gainage, hollow hold. Allez, maintenant, on tient la posture. Ça picote un peu. Le nombril en direction du sol. On a une dernière boucle. Elle commence maintenant, dernière boucle. Allez, on tient. On aura bien transpiré, bien dans l'effort. Attention. 3, 2, 1. Et on récupère ici tranquillement. On va passer à l'échauffement. On va passer à l'échauffement ensemble. J'espère que ça va dans le studio, Samélia. Mylène, ça va? Ok. On va passer à l'échauffement. Allez, tranquille. Restez sur le dos. Restez sur le dos. Pense à vous féliciter intérieurement. Il faut savoir se dire merci et être fier de soi. Donc dites-vous merci intérieurement. J'y tiens, c'est important. Relâchez un peu vos jambes sur le sol. Si jamais, n'hésitez pas à allonger. Allez, les bras le long du corps. Ici, on va inspirer. Et expirez lentement. C'est juste pour toi. Dirigez le nombril vers la colonne vertébrale et remontez-le vers le visage. Une dernière fois, on va inspirer, gonfler le ventre. Et sur l'expiration, on va diriger le nombril vers la colonne vertébrale. On engage le ventre. On va plus bouger son ventre. On respire qu'au niveau de la cage thoracique maintenant. Aspirez votre nombril ici. Aspirez-le. On éloigne les côtes. Le ventre ne bouge plus. Tu en es la raison. Le ventre ne bouge toujours pas. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ne cherche pas pourquoi j'ai l'âme en peine. Encore tu ici. En es la raison. Très bien, reprenez une respiration qui vous va. On va juste ramener les deux genoux à la poitrine ici. J'ai besoin de toi. On inspire, sur l'expire, on ramène un tout petit peu plus ses genoux vers nous. On va se balancer en avant, en arrière. Très bien. Prenez appui sur le sol. Et on va prendre le temps de se relever ici. Déroulez le dos. Très bien. Pied largeur bassin. Avec moi. Allez, épaules basses, on place bien son dos. Épaules basses, on bombe le torse. Et on va rentrer le talon droit dans le sol et on bascule vers l'avant. Rentrez bien le talon dans le sol. On étire l'arrière de la cuisse ici. Allez, on se penche un peu plus, le dos toujours droit. On inspire et sur l'expire, on revient. Ici, on va tendre le bras et on va ramener le talon vers le fessier. Si vous avez besoin de vous tenir à la maison, il n'y a pas de souci. Ramenez bien le talon vers le fessier, les deux genoux ensemble. Le bras peut être le long du corps, ça en déco, juste on cherche à avoir l'équilibre. Très bien. Talon gauche dans le sol ici. Et on balance devant. Et on revient. Ici, on ramène. Le talon vers le fessier. Très bien. Déposez. Inspirez. Expirez, poussez.
On inspire bien encore. Expirez, relâchez devant. Et on déroule le dos ici. Merci pour cette séance. Merci les filles. Merci Mélia. Merci Mylène. J'espère que ça l'a fait chez vous à la maison pour cette séance qui était cardio et renfo. Merci les filles dans le studio. Merci beaucoup. C'était Belle pour le Sud Fitness avec Sud FM. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.